Everybody's happy. Depuis mes 2 ans, j'ai mes anniversaires, j'ai des énormes Paris-Brest, des gens plus grands que moi, quoi. Donc j'ai retrouvé des photos là de mes vieux gâteaux comme ça. C'est au bout du 600, on se voyait pas refaire un deuxième brevet de 600 quand même. Donc on verra bien quand on sera à Brest. Affaire à suivre. First time I did it, I was so blown away by the roadside support, and I had to come back and check out whether it was really true or not. And it is definitely. We're the first Ecuadorians coming, like ever, to the Paris-Brest. So we're super proud. I just would love to see more women riding. I think we're better, like seriously. Cette année, c'est la 20e édition. Il est vrai qu'on entend souvent parler de course en ce qui concerne le Paris-Brest-Paris. C'est une erreur, il s'agit bien d'une randonnée. C'est une épreuve commerciale à l'origine, qui est née dans la tête d'un directeur de publication d'un journal de sport extrêmement connu à l'époque. Il a eu l'idée donc de créer une course qui s'appelait donc Paris, Brest et retour. Et la particularité de l'événement à l'époque, c'est qu'il y associait des cyclos amateurs aux professionnels. Le premier qui a réussi cette course, il l'a réussi en 10 jours. En 1891, sur sa drôle de machine, Charles Terrault remporte le premier Paris-Brest-Paris. Il faut se remettre dans les situations de l'époque, avec l'état des routes qui n'était pas forcément goudronné. Vous aviez aussi des vélos qui faisaient deux fois le poids des vélos d'aujourd'hui. L'éclairage, c'était des lampes à huile, donc c'est incomparable, c'était épique. 40 ans plus tard, c'est un Australien qui sera le premier à Paris. Il se nomme Hubert Hopperman. Ils étaient 340 au départ. En 1995, ils sont près de 3000. On cherche souvent à le comparer au Tour de France, mais la grande différence, c'est la convivialité, les échanges. Ceux qui font le Paris-Brest sont des passionnés de vélo et pas des fous. La pression monte quand même, hein. On va essayer de partir comme les autres fois, avec un peu de frisson dans les jambes. 3, 2, 1, stop! Assez nerveux dans la première vague. C'est vrai que c'est parti assez vite. Là, on est quand même à 30,5 de moyenne. On a fait 78 km. Voilà, mais ça va pour l'instant, c'est roulant. Il y a du vent, mais ça va. Ça se passe bien pour l'instant. Allez, bonne route. Et merci. Hein. Merci.
grâce à Christophe demain. Allez, attends, on va te faire le vélo. Hop. Ça a été ? Ah, c'est dur quand même. Dur ? On est parti trop vite. Oh là, première heure, 36. Oh, le temps, c'était là. Il y a eu 3 chutes. Tokyo kara kimashita. This is the third time for me. But I didn't finish yet, so maybe this is the first time I complete. I won't give up this time. The night was okay. I feel good, but I know that in the evening then I get very, very tired. And so I must hurry up this day, so I get 2 hours, 3 hours that I can sleep a little. On intervient sur tout ce qui est petite réparation. La technologie s'avance, il y a des passages de vitesse électrique, il y a des freins à disque, hydrauliques, il y a d'autres petites pannes qu'on n'avait pas il y a 4 ans par exemple. Par contre les vis tu les gardes. Ouais. Des fois ça peut servir, tu sais. Alors la roue avant. C'est la roue avant. Ouais. En chambre à air, puis là les chambres à air comme ça. C'est quelle section ? Après ça perd. Elle perd. Bah, le problème c'est que là on n'a plus de rechange. Depuis hier, on a utilisé nos deux chambres à air de secours et du coup là, on aimerait avoir des nouvelles et repartir sans ces soucis-là. Là, ça fait un peu beaucoup pour même pas 300 km quoi. Alors nous, on est le seul tandem féminin sur les 37 tandems et par contre, on fait partie des 7,16% de femmes qui concourent le Paris-Brest-Paris. Ils ont été ultra efficaces, c'est cool. Merci, c'est gentil.
avec l'équipe. Il y a le comité d'accueil. On est parti à 8, on arrive à 8. Yeah, India. C'est moi le grand chef du boulevard. Il faut rester fun, quoi, parce que on a, les gens, des fois, ils sont un petit peu agressifs. Nous sommes bénévoles, hein, on n'est pas payés. Hein. Vous attendez les premiers qui ont déjà pointé la brasse? Ils vont pas tarder à arriver, puisqu'on nous les a annoncés à Carré il y a quelques heures. Dans moins d'une heure, ils sont sur le site. You're the second marker than me. 25 hours and 25 minutes by now. Great, it was great. We arrived first in press together with the American guys ahead now, I think. Yeah, it was good atmosphere. I really loved it. Didn't expect it. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. On a trouvé les dents, c'est bon. Me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Là, donc peut-être 3 km maintenant, mais c'est vrai que la montée elle est dure là. Ce matin quand je suis arrivé, c'était le lever du jour, j'ai eu très peur avec les camions qui roulent, ça va dans tous les sens. Et... Bah, je crois que c'est les voilà. Hé hey, Thomas, voilà. Bravo Thomas, Guillaume. Je viens de l'entamer il n'y a pas longtemps. Ça va, franchement ça va. Chaleur encore intense. Quelques kilomètres et après on part vers l'inconnu, parce qu'on n'a jamais fait au-delà de 600. Donc bon, mais hâte d'y être au retour. Après c'est le manque de sommeil qu'il faut gérer, toutes les pauses, être vigilant tout le temps, quoi, tout le temps. Écouter les conseils des anciens aussi. Manger des yaourts le soir quand on peut plus rien manger, il n'y a rien de mieux, quoi. Je vais te laisser celles-ci parce qu'elles sont acides, ah oui. C'est pas les mêmes et du coup... Bah ouais, là c'est pomme classique, c'est vrai que comme j'en ai mangé deux, elles sont acides. Je fais l'assistance puisque moi-même j'ai fait le Paris-Brest-Paris. Je sais ce que ça coûte, hein, en effort et puis en souffrance. C'est pour ça que maintenant que je ne peux plus faire ce Paris-Brest-Paris, eh bien moi-même, depuis 4 ans, j'ai fait ce genre de bénévolat, d'assistance. Et puis maintenant, c'est un plaisir. Il y en a, il y a 4 ans, ils me reconnaissent. Alors bon, tiens, ah Joseph, tu es encore là. Et bon, ben, on est content de se voir, on a noué une amitié. Et ce qui nous apporte en sourire et puis en joie de repartir, tout content, pour nous, c'est le principal. Voilà. Le reste n'a pas de prix. Thank you.
On est à Brest, à mi-chemin, et on a mis 40 heures à peu près pour arriver là. Je suis fatiguée, les premières douleurs commencent à apparaître et j'appréhende un petit peu la partie du parcours qui arrive là parce que je sais qu'elle est très casse-pâte. Mais ça va, j'y crois et je suis moralement, en tout cas, je suis pas abattue. Bon, à tout à l'heure les enfants, on se voit à Carré. Ouais. Bisous, merci. Moi, ce qui m'a bluffé, c'est les monts d'arrêt, parce qu'on y arrive, bon, on monte. Bon, ça, nous, venant des Vosges, on a l'habitude de monter. Et puis, on arrive dans un paysage qui est vraiment unique, je trouve. Là, c'est vraiment très beau. Il faut être détendu, il faut être serein, il faut prendre une étape après l'autre. Il ne faut surtout pas stresser. C'est une école de patience énorme. Ça nous donne beaucoup d'émotions. On n'a plus que 595 km à faire. Là, on est plus concentré à se dire il faut qu'on avance pour ne pas rentrer trop tard à l'Oudéac. Le moral est très bon, on souffre un peu de partout, mais bon, ça se passera les semaines qui suivent. Ce serait trop facile s'il n'y avait pas de douleur. Si on n'a pas de séquelles, c'est que c'est pas normal. Attention. Ben là, j'ai pas de sommeil. Je tourne café, coca, coca, café. Hier, il y avait une petite baisse de morale quand même, parce que c'est un sacré défi sur soi quand même. Hein. On a envie de réussir aussi. Grande Paris, Brest Paris, grande. Contrôle, secret. Secret, secret. Faut pas dire, hein. Allez un peu plus haut. Donc nous sommes sur la commune de Plévin, dans le Finistère, donc à mi-parcours à peu près entre Brest et Carré. On est situé sur l'étape la plus difficile du parcours, puisque entre Brest et Carré, il y avait plus de 1300 mètres de dénivelé positif. Bonjour. Les participants ont des points d'accueil qui sont également des points de contrôle et on intercale des contrôles de secrets puisque nous avons des autorisations sur un certain tracé et pas sur les routes à côté. C'est très net, mon meilleur souvenir, c'est le lever du soleil ce matin sur les monts d'Arrée. Alors là, j'étais très très contente d'être là, c'était magnifique. Puis sur le petit livret, il y a d'indiquer qu'il y a deux contrôles secrets. Donc bon, on ne savait pas où, mais on se doutait qu'il pouvait se produire. Il n'y a pas d'esprit de compétition, l'idée c'est de faire l'ensemble du parcours dans un délai donné. Donc c'est pour ça, tricher, ne pas passer un contrôle, c'est un peu aberrant parce que dans ce cas-là, ça n'a pas de sens de faire cette grande aventure.
Ça, c'est fait, direction Paris. Là, on a encore un peu plus de 500 km devant nous. Pour l'instant, le moral est intact. Les fesses un peu moins. Il a abandonné David. On ne pouvait plus. Ouais, il en pouvait plus. On a passé toute la nuit pour faire Carré-Brest. Mais t'as pas dormi alors? Ah, moi j'ai pas dormi non. Tu te prends un café là ou on s'en va de suite hein? Mais si tu veux, il faut qu'on se dépêche parce qu'il faut qu'on soit, rembouillé à l'apéro ce soir à 19h. Hein. Mais putain. Et on est des marioles dans le Lot-et-Garonne. On était deux, donc on a fait la moitié du Paris-Brest-Paris. Et donc depuis ce matin, j'ai laissé mon collègue et je continue tout seul cette aventure. Donc un grand moment de tristesse. Un Paris-Brest-Paris, il faut 1 an et demi pour le préparer. Et là, en 5 minutes, tout tombe à l'eau. On ne joue pas avec la sécurité. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Paris-Brest-Paris, il n'y a pas de gloriole. Hein. Comme on dit dans le sport, une course commence à la moitié. Donc là, la course commence à Brest. Donc pour moi, elle a commencé ce matin à 7h. La fête continue, la course aussi. On se retrouve... On se retrouve à Rambouillet. Salut les amis, à bientôt. Ils nous ont dit ça au contrôle. Merci, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Merci beaucoup. Tu as mal aux jambes, Alexandre? Sommeil plus dur. Ouais. Mais jambes, pour l'instant, ça va. Sommeil, là, hier... En fin d'après-midi, là, fou. Oh, t'avais les yeux qui se fermaient là. Ouais. Mais là, avec la petite nuit, ça va. Je suis contente, oui, certainement. Je suis contente de voir mon petit-fils vers le Paris-Brest et Brest-Paris. Je suis heureuse. Dommage que le papy n'est pas là. Ouais. Allez. Qu'est-ce qu'elle était légère alors? Non, pour l'instant ça va. Merci beaucoup. T'es arrivé à combien aux abandons? Ça, c'est difficile à dire parce que. Tout ça c'est abandon. Tout ça c'est abandon. Ouais, quand même pas mal d'abandons. Hein. Ouais. Les gars, quand ils abandonnent, tu leur dis que c'est définitif ou bien tu les envoies se reposer et puis non ouais, c'est eux-mêmes qui prennent la décision. Ouais. Il y a des moments où ils vont se dire, ils pointent, ouais. Bah, ils vont se reposer un peu, ouais. Ils reviennent, alors quelquefois ils reviennent et puis dire non. Non, d'accord, finish, terminé. Parce qu'il y a des situations comme ça où le mec arrive vraiment fatigué, vraiment crevé. Ah oui. Tu l'envoies dormir 3 heures et il remonte sur le vélo. Ou blessé. Ou blessé, ouais. Ici, on est à 350 km de Paris. Les mecs, il arrive là, il dit, je ne vais plus m'arrêter maintenant. Tu vois, il est sur le retour et il dit, je ne vais plus m'arrêter. Plus que 350 km, mais le mec, il dit, moi, je vais y aller, quoi, de toute façon. Le plus gros effet. De toute façon, je vais y aller, hein. Le plus gros effet, ouais. Oula. Ils sont sympas les bénévoles de Paris-Brest. C'est partout comme ça. Ouais, c'est vrai en plus. Merci. Allez, salut. Thank you.
départ de Brest était très dur. C'est au tout départ de Brest, carrément dans la ville. Et puis après, on repart sur le Faou et pour rejoindre la ville de Plébin. Et là, c'est que des montées, des descentes interminables. Des montées de 5 km des fois. Ça fait mal quand même. Ce soir, fatigué quand même. Es la segunda vez. Hace 4 años que hice y también me pareció muy duro. Es muy emocionante estar acá con tanta gente de tantos países. Pero es muy duro. Es muy muy duro. Nous ici c'est le dortoir, donc on reçoit les coureurs, ils nous disent combien de temps ils veulent dormir, 1h30, 2h. Là il est 23h, je pense qu'on va avoir un afflux jusqu'à au moins 8h demain matin. Je pense que c'est la grosse nuit du Paris-Brest-Paris, pour nous c'est la grosse nuit ça. Mais comme il y a un roulement, on devrait bien s'en sortir. Vu les efforts qu'ils ont faits, le peu de sommeil, ils sont une super gentillesse. Vous voulez d'abord manger ? Et après, you come back. On a un petit guide de conversation, anglais, allemand, espagnol, italien. Voilà, ça nous aide bien. Pour aider à se comprendre, il y a une pendule. Il y a aussi un disque comme ceci pour savoir à quelle heure réveiller les personnes. On revient de Brest, on va dormir, on va se lever à 3h du matin, on va prendre un petit déjeuner ici, un tout petit light, et puis après on prend un gros petit déjeuner avec eux. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la 6h aussi. C'est notre assistance qui nous attend là-bas. Voilà. Oui, c'est pour le bruit, mais c'est en même temps, c'est quasi dormir. Oui, ça laissait. Ça laissait quoi? Un lycée collège. À pédale, comme autrefois. Non, c'est gratuit. Gratuit. Vous êtes Belgique. Attention, c'est chaud. Merci. En fait, vous faites tous les stands, vous ? Non, mais je viens de voir qu'il y avait du riz au lait. Alors, je viens voir, tout simplement, c'est ça. Voilà, je papillonne. Je suis de Denia. Ah ! Si. Quand les gens y passent, on leur donne un petit papier et ils nous renvoient une carte postale de leur pays. Et tous les ans, on reçoit plein de cartes postales qu'on affiche. Ça fait la 10e fois qu'on fait le stand. Mais quand on a commencé, on donnait juste des pommes et du cidre. Parce que c'était, on n'avait que ça. Chacun a fait des crêpes maintenant. Je ne suis pas toute seule. Hein. Je distribue la farine dans toutes les familles et puis je donne le lait. J'ai acheté 16 kilos de farine. Donc on a fait... Il y a 4 ans, on avait fait 1000 crêpes. Et il n'en est pas resté. C'est de la confiture maison ? Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ma grand-mère qui l'a fait. Alors, crêpe à quoi ? Vous voulez sucre ou confiture ? Sucre, ouais. Eh bien, nous, avec mes parents, on faisait la même chose. On accueillait les cyclistes du monde entier. Je vous prends un petit papier. Et dans ma tête, il y avait un truc. Je me disais, un jour, je tenterai de faire le Paris-Brest-Paris. C'était avant de savoir que c'était une galère pareille. C'est le premier, c'est long, c'est très long. Merci.
Au revoir. Ici, on est au Ribet, le carrefour le plus dangereux du Paris-Brest-Paris. On est quand même sur la Nationale 12, vous voyez très bien, ça passe, c'est énorme. L'organisation du Paris-Brest-Paris compte sur nous. Ils veulent éviter d'avoir des accidents, des morts, et voilà. Et aujourd'hui, si on n'est pas là, c'est trop dangereux. Et on est là jour et nuit, 24 heures sur 24. Tant qu'on est là, le Paris-Brest-Paris devrait passer toujours ici, voilà. Ça va aller? Oui, oui. Mais forcez pas. Thank you very much. Good luck. Merci. Good luck. Yeah, thank you, thank you. Je sais pas comment il va repartir. Tu as besoin de quelque chose? Oui. Ok, j'arrive. J'arrive. On y va. C'est pour une cheville. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle a cette cheville? Alors, bonjour. Ça va? Cheville droite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous. En fait, sur la fin du parcours, j'étais bien, mais au bout d'un moment, à force d'être en danseuse ou être sur les côtes, je commence à ressentir une vive douleur au niveau du tendon d'Achille. Aïe. Et le gauche? Non. Bah, on se sert que du gauche. Ouais. 200 bornes encore à faire, c'est bon? Ah oui, pour vous, c'est... Il n'y a rien. Il n'y a pas de risque de rupture et tout. Il y a une belle inflammation, mais qui est classique. D'abord, on va bien le masser. Anti-inflammatoire, diclofénac. On va le mettre sous paracétamol, à Mortagne par exemple. Vous vous refaites un petit massage pour finir. Ça serait super. Merci. Bonne chance. Mais à vous voir, j'ai aucun doute. Allez, salut. En écrasant comme ça. C'est comme ça, vous pourrez finir. Je pensais vraiment bien terminer cette épreuve et là, quand je vois que j'arrivais plus à avancer et je voyais tous les autres défiler, là, je commençais à remettre en question ma participation. Non, il m'a bien rassuré là-dessus, donc ça va. Là, je pense après une bonne sieste, je vais attaquer tout de suite. L'appui à l'effort crée des tensions au niveau de la peau névrosite plantaire, au niveau de la voûte plantaire. Et vient enflammer la voûte plantaire due à la chaleur du sol qui remonte, et puis ben, vient contracter le mollet. Donc là, on essaye de lui détendre. Le secret de la réussite sur un Paris-Brest-Paris, c'est d'être relâché le maximum. Entre le 600 et le 1200, ils sont tous dans la découverte de leur douleur, de leur souffrance, de leur plaisir aussi. Attention, hein. il n'y a pas que des douleurs, il y a des plaisirs, hein. Des ressources. On passe par des phases difficiles. Voilà, on essaye toujours de repousser ses limites parce que... L'âge est là et on voudrait retarder le plus longtemps possible une échéance. Je me dis que je suis pas encore pourri. C'est un chemin de vie quoi. C'est la route. Elle est partie de Paris, elle arrive à Brest, elle revient à Paris, mais on aura bouclé quelque chose. Moi, je pense que c'est le Saint-Jacques de Compostelle du sportif. À tout à l'heure.
I've had no more than 4 hours sleep. And I'm so close to the end now, I just want to have 10 minutes sleep, 20 minutes sleep, and then get to the end, and it can all be over. And I have time in hand, so I know that I could go really slowly and still get to the end in time. So, no, I'm not stressed now. I'm the least stressed I've been since I started this ride. So when you're doing these things, we're here to have fun, so you've got to try and find fun. You meet all these people from all around the world on these events, it's amazing. I've just been sat with some guys from San Francisco I've never met before. You have a chat with them, it's just really nice. Makes the world a lot smaller. Mortenay au perche? Did I pronounce that correctly or not at all? I love it. It's why I spend weeks preparing and put my bike on a plane and assemble it in a hotel room. It's amazing. There's just nothing like it. We didn't really share a language and, you know, totally cooperated for 35 miles. When else do you get to do that? D'être arrivé parce que la fin est assez pénible avec le vent de face. Dans ce genre de raid, en général, on récupère toujours de l'énergie. On finit toujours plus fort parce que c'est la fin et on est très très motivé. Et puis souvent, on voit une émulation avec les autres participants. Donc c'est un des meilleurs moments et c'est pas une difficulté. Je crois que ce sera la dernière fois parce que c'est quand même très très dur. Et il y a aussi tellement de choses à faire à vélo. Very painful, lots of headwind. I'm relieved I'm here with enough time to get to the finish, if my body holds out. Du Paris-Brest-Paris des jeunes. On les attend avec impatience, ça ne devrait pas tarder. Él es mi número 10 ediciones de Paris-Brest-Paris. Muy contento, muy satisfecho. Está muy emocionado, muy emocionado. Première participation, j'ai vu tous les gens que j'aimais, c'était génial. Avec sa persévérance, il a réussi, je suis trop fière de lui. Je l'aime trop. Bravo, bravo, il est magnifique. Ah ouais, le projet est beau. Ouais, ça fait du bien, ça fait plaisir, j'en pouvais plus. Ouais, c'était dur, mais c'était super. Il y a une super ambiance.
je pense qu'on ne se rend pas compte quand on ne le vit pas aussi avec eux, de l'effort que ça représente et de l'importance aussi de pouvoir être là pour les soutenir au fur et à mesure tout au long de la course. Very, very happy. We support each other, and I hope I will be able to be here next time.